Salut à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Blood Bowl 2 pour la présentation de mon équipe, enfin présentation d'équipe, de division avec mon équipe dans la SKB8 chez Krook Gaming, le Fléau von Karstein, mon équipe de vampires. Donc je suis dans la poule de l'Isaria Gate, donc une poule intermédiaire. Nous sommes 10 équipes, donc je vais vous présenter une à une. On a une première équipe d'Amazon. Donc mené par Mac Position, qui est bien équipé, qui a un peu de banc. Elle va être redoutable à affronter, évidemment. Les Amazones sont toujours très compliquées à affronter une fois qu'elles ont commencé à avoir full blood et tout en face. Les d'autres Amazones encore plus fortes avec Torvi qui a une belle équipe. 11 joueurs, une blitzeuse AJ4, une lanceuse AJ4, une lanceuse armure 8, pourquoi pas. Donc elle joue avec deux lanceuses, pourquoi pas, ça peut donner des solutions intéressantes. Pas mal de full blood, donc ça va être très chiant ce match. Donc c'est le premier adversaire de notre division, ça va être un match assez compliqué dans les faits. Voilà. Donc là mon équipe, bien sûr, bon, on va la montrer quand même, hein, fait partie de la division. Bon bah c'est toujours les mêmes, enfin il y a eu des changements un petit peu dans les noms avec les pertes et tout. Donc on a nos trois vampires, Vlad von Karstein, Manfred, donc von Karstein et Conrad. Donc ils ont tous bloc de base, Conrad à châtaigne grâce aux dégâts et Manfred à bludge. Et Vlad bloque tout court. J'ai Adichat qui est mon lutteur de service, Madness qui est mon ramasseur en cas de pépin. Et j'ai mes deux serviteurs, Ravod et Steph qui sont avec bloc. Donc, il y a quelques passages de niveau à faire, peut-être avec quelques points par-ci par-là avec deux blessures, et ça pourrait donner des choses intéressantes. Et un peu d'argent dans la fermeture. Au niveau des Bretoniens, les Anuques Glandus menés par Frigd, alias Benito. Donc alors là, on a une équipe avec les 4 blitzers donc, qui sont assez bien charpentés. Hein. 2 forces 4, 1 AJ 4, de, plutôt pas mal. 3 lutteurs, dont un lutteur avec garde qui est intéressant. Un autre paysan avec lutte, ça peut toujours être pénible. Donc là, une équipe assez sympathique. Les Lions Rouges de Trail que nous avons croisé la saison dernière, qu'on a fait match nul contre eux. Donc, 2 blitzers, donc un bludger et un blitzer force 4. Un lanceur esquive AJ5, très costaud. Nous avons un receveur esquive, donc attention à lui. Deux autres receveurs sans expérience. Je crois qu'on avait tué un receveur qui passait le niveau, je me souviens. Et un 3 quarts avec bloc et force et un point de force supplémentaire. Il a un 3 quarts absent avec un mouvement moins, donc il a 2 3 quarts 5 de mouvement, c'est un peu pénible pour des elfes. Quoi. Bon, après, ça esquive bien. Quoi. Le lutteur sera absent et il y aura une parade aussi qui sera présente par contre pour ce prochain match. Nous avons des aigles et des ours menés par le coach Wish, donc dès qu'il se lévite. Nous avons un receveur, un ours apprivoisé, donc avec Shurkonut, un blitzer, deux blitzers, donc un qui est absent pour le premier match. Tac le plongeon bon, c'est pénible. Pas mal de blocs, ça c'est un fait. Et le reste du 3 quarts, quoi. Le receveur avec précision et réception, donc ça va faire des passes, pourquoi pas. Je vais regarder un petit peu ses stats, ouais, ça va, il se débrouille bien avec. La horde mutante de Zelentir, donc des bas-fonds. Donc des gobelins mutants, tout ça, gobelins scaven et un troll de Malpierre bien sûr. Une équipe qui peut être assez chère. Donc petite surprise, deux gobelins gardeux, attention. Et deux blitzers scaven standard avec un 3 quarts scaven lutteur et un lanceur scaven monté avec précision et bras supplémentaires. Ce qui fait qu'il s'arme sur du 2+. Les orques de Steph qu'on avait croisé aussi, la standard, défaite contre 1-0, on avait perdu. Donc l'équipe elle doit être bien charpentée aussi, hein. Pff, ouais, très très bien charpentée d'ailleurs. 4 blocs, que du bloc partout, une garde, du tacle, de l'esquive sur un blitzer, deux lanceurs par contre. Ça m'étonne un peu qu'ils jouent avec deux lanceurs, Steph, mais pourquoi pas. Après ça dépend du rôle qu'il va leur donner, peut-être un pour ramasser, un autre pour botter, piétiner, je sais pas. Les lézards de Maverick 82, donc les hommes lézards qui sont une de mes équipes favorites, dans mon cœur, pour ceux qui me connaissent. Donc un Croxigor, pas mal de 5, attends, il a 6 Horus, dont 4 avec bloc, 5 avec bloc, pardon, un qui a perdu un point d'armure, faudra faire attention à ça. Et le reste, c'est du Skink, donc on en a un qui a eu fait 2 doubles d'affilée, à savoir dextérité et bloc, lui ça peut être une vraie chandie à avoir, sans tacle ou autre. Un Skink sans rien, un autre Skink avec équilibre, je crois, ou ouais, je crois que c'est ça. Je vais regarder si c'est équilibre.
Ouais, c'est équilibre, donc hein, il peut quasiment one-turner lui. Et un autre skink qui aime bien sauter, mais je pense que c'est un skink. Peut-être un skink. Comment ça s'appelle? Mercenaire, je sais pas. Et enfin, les osselets, donc les morts-vivants de la poule. Donc on regarde un petit peu l'équipe. Oh, il a une belle momie là. Bloc esquive en force, pas mal. Pas mal, pas mal. L'autre momie n'a rien. Un revenant châtaigne esquive. Une bonne pénibilité celui-là. Revenant châtaigne, ouais, pas mal de DPS. Hein. 4 joueurs châtaigne, attention. Attention à nos armures. Les ghouls. On en a 2, dont une bludgeuse. Et on a aussi 3 zombies, 2 squelettes qui n'ont aucun niveau. Ok. Bon, pour cette poule, elle est quand même, on va pas se le cacher, assez orientée sur les équipes agiles. Hein. Donc on a deux, on peut avoir une ou deux exceptions avec, vous me direz, les orques. Les orques et peut-être les. Enfin, les arcs, c'est quand même agile. Et les Vretoniens, bon, ils ont pas J4 à part son Ansiblitzer. Mais c'est quand même une poule assez agile avec l'esquive et tout ça. Ça va donner du challenge à nos vampires. Hein. Donc on va essayer de survivre comme on peut dans cette fosse. Donc on a quand même du bon, on a un remplaçant. Et en fonction des inducements, bah, on verra ce que ça donne. Bon, voilà. Donc pas d'objectif précis, juste s'amuser avec nos vampires. Voilà. C'était la petite présentation de la poule Iseria Gates. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez Tu pas à sais lâcher un bien que pouce j'ai la bleu, ça fait toujours confirmation plaisir. d'un slot Si vous avez un limité, commentaire ou autre à quand faire, est-ce qu'on va n'hésitez voir le pas. match? Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, n'oubliez pas de vous y abonner, donc la cloche et tout ça. N'oubliez pas la chaîne Twitch non plus. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.